Salut les amis, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va s'intéresser aux deux sacoches, celle du Spark et celle du Mavic Pro. Alors pourquoi cette vidéo? Et bien tout simplement, quand j'ai reçu le Spark, j'étais étonné de la taille de la sacoche, elle est aussi grande que celle du Mavic Pro. Donc si vous souhaitez faire l'acquisition du Spark pensant qu'il est plus pratique à transporter avec une sacoche plus petite, ben c'est pas du tout le cas. Vous allez voir que ces deux sacoches sont identiques au niveau encombrement, sachant qu'on a quand même une petite surprise avec celle du Spark, et ça vous allez le voir dans la vidéo. Alors voilà à quoi ressemblent les deux sacoches. Donc on a le Spark ici et celle du Mavic Pro de ce côté. Donc on peut voir qu'au niveau taille, elles sont quasiment identiques. Il y a juste au niveau du poids, hein, le Mavic Pro complet avec la sacoche fait environ 2,3 kg, alors que celle du Spark fait 1 kg de moins, donc 1,3 kg environ. Voilà à quoi ressemble la sacoche du Mavic Pro, donc elle est plutôt bien fichue. Moi je l'utilise régulièrement, alors ça dépend ce que je fais. Quand je pars faire des vidéos, j'utilise plutôt une autre valise où je peux mettre ma tablette, mon portefeuille, enfin différents accessoires. Mais quand j'emmène juste en mode balade le Mavic Pro, c'est cette sacoche que j'utilise. Donc on a des poches sur les côtés qui sont ajourées. Donc ça va nous permettre de mettre les batteries et de voir l'état de charge des batteries grâce aux poches ajourées. Alors on va commencer justement par les poches. Donc dans celle-ci, on a une batterie avec le petit adaptateur ici là qui nous permet de transformer la batterie du Mavic Pro en batterie externe. Ensuite, de l'autre côté, je mets le chargeur. Sur la poche avant, on a la base pour recharger trois batteries simultanément. Ensuite, on a le câble secteur pour le chargeur. Et à l'intérieur, on a une batterie supplémentaire, donc ça fait deux batteries. Au niveau de la déco, là je vous ferai une vidéo bientôt concernant des accessoires que j'ai reçus. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, comme ça vous serez informé quand je sortirai la vidéo sur les accessoires du Mavic Pro. On a ensuite le Mavic Pro, bien sûr, donc lui il est aussi un petit peu décoré. Et on finit avec la radiocommande qui elle est complètement décorée, moi je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur de cette sacoche, et on a aussi ici une petite poche avec un zip pour mettre des cartes SD par exemple. On passe maintenant à la sacoche du Spark, alors elle est aussi bien finie que celle du Mavic Pro, il n'y a aucun problème. Par contre là on n'a pas de petite poignée pour le transport, on a juste une sangle ajustable. Donc moi j'aurais préféré pour le transporter une petite poignée. Alors on a une poche à l'extérieur, donc moi j'y range le câble pour le chargeur, la station de charge pour recharger trois batteries simultanément. À l'intérieur de la poche principale, on a la radiocommande. Donc moi j'ai ajouté un petit accessoire là pour éviter de tordre les joysticks quand la radiocommande est rangée. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, ça coûte pas très cher et c'est super pratique. Ensuite, on a le chargeur, voilà, pour recharger les batteries. Le drone, donc, qui était calé entre le chargeur et les deux batteries qu'il y a au fond du sac. Donc voilà, donc il est juste posé comme ça, le drone, et il est calé entre deux poches au fond du sac, entre les deux batteries. Donc voilà, on voit les deux poches au fond. Donc là, il y a une seule batterie dedans, on peut rajouter une batterie supplémentaire. Donc j'enlève la batterie de la poche et voilà tout ce qu'on a dans le sac du Spark. Et petite surprise, vous allez voir que dans la sacoche du Spark, on va pouvoir ranger le Mavic Pro avec ses accessoires. Alors regardez, la sacoche est fournie avec ce petit carton, donc on a l'illustration pour le rangement du Spark. Et de l'autre côté, pour ranger le Mavic Pro. Allez, on va essayer de ranger le Mavic Pro et tous ses accessoires dans la sacoche du Spark. Donc pour cela, on commence par enlever cette petite pièce qui va servir à compartimenter différemment la sacoche. Ensuite, on prend la radiocommande. Alors l'utilité d'avoir cette petite pièce pour protéger les sticks, c'est super pratique. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Donc la radiocommande en bas sur la gauche, on va la caler ensuite avec le chargeur qu'on met donc juste derrière, le câble sur le dessus, on reprend cette pièce, donc il y a un petit sens, hein, donc cette partie-là va servir à protéger les batteries de la radiocommande et du chargeur, donc on vient la placer comme ceci, il y a un petit coup à prendre au début, voilà, donc là ça fait une séparation, on va pouvoir mettre les batteries, donc la première batterie, donc là c'est bien calé, hein, il n'y a plus trop de place pour que ça bouge, la deuxième batterie, on force un petit peu, et ensuite on vient replacer la protection comme ça pour compartimenter, c'est parfait.
Il ne nous reste plus qu'à mettre dans cette poche le Mavic Pro. Voilà, il n'y a pas un centimètre qui dépasse, hein, c'est vraiment prévu pour. On peut refermer la poche du haut. Ensuite, il nous reste la poche de devant, donc on va y placer le câble pour le chargeur. Donc là, ça commence à être serré, je vous avoue. Voilà, ensuite la station de recharge des batteries. Donc là, honnêtement, ça force un petit peu. Voilà, et la petite pièce pour permettre aux batteries de se transformer en batterie externe. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir fermer la sacoche de devant? Et bien ça ferme, c'est parfait. Donc là, on a vraiment une sacoche, regardez, qui est même un petit peu déformée tellement on en a mis. Mais en tout cas, tout rentre dedans, donc c'est prévu pour ranger également le Mavic Pro. Voilà pour la comparaison entre la sacoche du Spark et celle du Mavic Pro. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez vu au niveau taille, c'est quasiment la même chose. Il y a une différence au niveau du poids par contre. Hein, le Spark, accessoire, sacoche, c'est 1,3 kg. Le Mavic Pro, sacoche, accessoire, c'est 2,3 kg. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une vidéo. Suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !